Salut tout le monde, c'est Zonpitz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spyro, Year of the Dragon. Après la petite reprise des deux dernières fois, hein, on va dire, on avait repris le let's play. Dans le dernier épisode, on avait fait quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait dans le dernier épisode? Je me souviens même plus. On avait fait le monde de Sparks, il me semble. Oui, c'est ça. On avait fait le niveau de Sparks avec les araignées. Et on avait commencé ce niveau-là. Mais on n'avait pas fait. On était juste traversé. Et on n'avait pas fait tout ce qui était un peu, entre guillemets, annexe sur le niveau. Donc on va le faire. Je sais pas si l'épisode sera très long. Parce que j'ai pas énormément de temps en fait. Parce que je suis toujours en train de préparer Minecraft. Ne vous inquiétez pas, hein, quand vous verrez cette vidéo, faudra vous dire que c'est déjà prêt. Le jour où je mette. Le jour où je posterai cette vidéo, on aura déjà tourné Minecraft. Hein, donc ne vous inquiétez pas, ça sera prêt. Moi, Spyro, t'es un fan de sport? Ah oui, je me souviens, il me demandait de l'argent pour entrer, il me demandait 800. Ça devrait être un match captivant en fait. J'ai fait un petit pari sur l'équipe des Rhinos en espérant que l'équipe locale n'ait pas d'incident de dernière minute. Oh l'enculé. Donc un petit jeu de hockey, j'espère que ça va pas être comme la dernière fois où on devait défendre la patineuse. Défier un Rhino à un match de hockey chaton classique. Mais je crois que je me suis foulé la nageoire pendant l'entraînement. Ça te dérange de me remplacer? Très bien. Gèle les chats et pousse-les dans les cages pour marquer. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas des flammes, on a le... Enfin, si on a les flammes, mais... C'est les flammes gelées. Ah mais faut peut-être marquer dans les bonnes cages aussi. Ah ouais, je commence à comprendre le truc, faut tirer dedans. Oh, il m'a marqué un but. Fumier, prends ça. What? Ah non, faut les mettre dans nos cages. C'est inversé. Bon, je l'ai gelé comme ça. Tu fais pas trop chier l'autre. Ah mais... Oh là 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 là, c'est super chaud sur la glace. Hein. C'est super chaud sur la glace. Tiens. Si je le fous dans mes cages, le mec, ça fait quelque chose. Putain. C'est incontrôlable. Je vous le dis, c'est incontrôlable. Je sais pas comment ça marche en plus, si on a un temps où on doit marquer un nombre de points. Allez, rentre! Putain, mais il veut pas entrer, voilà. Un. Ah, j'ai deux. Arrête-toi! Il m'a piqué mon point! Voilà. Non, il est entré! Arrête-toi, toi. Non, mais le chat qui pousse l'autre chat! Vas-y, rentre! Non! C'est impossible! Ah c'est incontrôlable. Non mais c'est incontrôlable. Je vais perdre. Faut marquer 5 je pense. Ouais. Voilà. C'est carrément dur. On va demander à rejouer le match. C'est très très difficile. Je sais pas si je vais y arriver les amis. Alors, déjà on va virer lui. On va le foutre dans ses cages. Tiens. Tiens, ça va te calmer là. Pendant que nous on va chercher les chats. Non, il s'est mort. Il s'est dégelé, je l'ai entendu faire. Comme s'il se dégelait, voilà. Je le voyais déjà. Marquer des points, mais il va super vite. Oh. Vite! Non! Tu l'es, va. Je vais te foutre dans mes cages, moi. Toujours le garder à l'œil, sinon c'est impossible. Mais non! Mais putain! Il va plus que moi! Pars-toi là! C'est mon chat! Je le gèle en boucle! Ah, c'est vraiment très difficile! Je sens la rage arriver! Ouais, on a deux points aussi! Eh, hey, mais fumier! Putain, il m'a piqué mon chat! Pars-toi! Oh putain, mon chat est parti dans les ténèbres!
Oui. Un autre. Putain, il va en avoir un lui. Oui. Non. Rentre. Putain. Il est pas entré. Et lui, il va en marquer un. Allez. Putain. Il rentre. Mais c'est impossible. Oh là là, c'est la rage. Hop. Vite, faut l'empêcher qu'il... Il va marquer. Il va marquer, vite. Lui aussi, galère. Non, non. Mais putain. Je te gèle. Voilà. Faut que je gèle en boucle là, sinon s'il marque un point, je suis mort. Faut que je le garde par ici. Mais putain. Bouge plus, voilà. Ah si, si. Je te gèle. Vas-y, go. Mais vas-y. T'es déjà gelé. Mais vas-y, reviens. Mais oh. Non mais voilà. Je vais rager. C'est l'épisode rage. Pas l'épisode rage. Oh oui. Oh oui. Non. Les enculés. Ils ont bougé au dernier moment. Oh bah c'est mort. Putain. C'est vraiment trop dur. Demandez à rejouer le match. Oh, je déteste ce niveau. Regardez les chats qui bougent en haut à droite, c'est trop épique. Non, arrête de... Non mais vas-y. Le chat il bouge direct vers ses cages aussi là. Oh, je sens la rage, je sens la rage. La rage est en moi, jeune Padawan. Non, mais c'est pas vrai, ils se dégèlent super plus vite que les chats eux. Non mais... Regarde-moi ça, ce coup de chat. Ah bah j'ai eu un coup de chat aussi. Le chat que j'ai gelé tout à l'heure, il est allé direct dedans quoi. Ah, ah, si je le laisse là, il va aller dedans. Vas-y. Toi aussi, vas-y. Non. Putain. Ah, oh, faut que je... Non mais voilà. Il a les chats, ils vont direct dedans lui. Je vais lui piquer ses chats. Ça fera moins chaud. Mais putain, arrête de me pousser toi là. Vite. Oui. Oh non, il a marqué en même temps que moi. Pars-toi. 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 Mais non. Non mais non mais non. Il va carrément pitié moi en plus quand il patine. Voilà. Ça m'a chaud là. Ça peut refroidir là. Oh putain. Va par là. Tu prends pas mes chats. Arrête de prendre mon chat. Voilà, putain. Puis tu veux mon chat, là. Mais non. Arrête de me piquer mon chat, je t'ai dit. Non, faut pas que je l'emmène là-bas, parce qu'il va marquer direct. Je l'ai toujours en vue, j'ai dit. Alors là, je suis pas concentré sur le rhino, je m'occupe pas trop des chats. Vas-y. Oh oui, le double but, avec le rhino. Il est ouf, mais... Mais putain, il m'a piqué mon chat. Voilà. Je galère. Je l'avoue, je galère. À mort. Vas-y, rentre. Oui. Bien joué. Vous méritez de conserver le titre de champion. Ça a été la galère du début. J'ai détesté cette épreuve. Je déteste être sur la glace. Ok, j'ai vraiment eu peur, j'ai cru que c'était une blague quoi. Oh là là. Oh non. Ne me dis pas qu'il y a un bug là. Eh oh. Oh putain, j'ai carrément eu peur. Le jeu a planté pendant la sauvegarde là. Il continue de marquer ce débile. Vas-y, marque, hein, de toute façon le match est fini. Hein. Voilà, t'es content? T'es niqué là? Oh putain. J'avoue, c'était ce niveau c'était un peu galère, enfin ce teuf. Bon, on va passer à un autre. Je sais pas combien de temps on sera resté dessus. On est presque resté dessus 10 minutes là? Oh là 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 là. Non, mais j'ai gelé le rhino, sérieux là.
Putain, on a fait dessus 10 minutes, les gars. Et les girls. Putain. Sur un œuf, quoi. C'était vraiment la galère. Vous avez senti un petit peu la rage quand même. Putain, des fois je rageais, mais sans aucune raison. C'est la rage. Bref, alors on va continuer d'explorer le niveau. Je pense qu'on va faire que. On va finir ce niveau dans cet épisode. Et puis. Le prochain épisode, on attaquera un autre. On va pas attaquer un niveau en fin d'épisode, parce que sinon c'est n'importe quoi. Voilà, je tue. Est-ce qu'il y a des joyaux? Non, mais il y a chemin. Oh non! Non! Non, non, non! Ok. Ça fait ça, un bonhomme de neige? Esquive, 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 esquive! Non! Je sais pas, devoir prendre le laser pour l'enlever. Putain. Pars-toi, toi. Attendez, je suis allé ici? Ouais, je suis allé ici. Mais, bordel. Non mais non. Je suis... Ah non mais je suis maudit. Tuez-moi. Mais tuez-moi. Ah elles sont. Je peux passer. Je croyais que je pouvais pas passer en fait. What? Pour cet œuf, je sais comment on fait, mais sauf que je me suis fail. Non mais là le... j'étais bloqué par le corps. Oh putain, j'ai raté. Vite. De sparks. Bon, on va essayer de repasser. Hop, le tchè pas une marche de 2 cm de haut. Il n'y a plus le poulet ici, dommage. Il n'a pas respawn, donc j'ai plus sparks. Si je meurs, je perds une vie. Si je me prends un coup, je perds une vie, quoi. C'est super. Ça passe pas d'ici. Allez! Voilà. Un œuf! D'accord. J'espère. J'espère. Ah, je pensais pas trouver un œuf. Non, ça passait pas, ça passait pas, ça passait pas. Je pensais que je passerais, mais non. Il faut aller juste sur la petite zone. Alors, on va recommencer. De toute façon, je crois qu'après, il reste quoi? Des joyaux et un œuf. Ah, 3 œufs encore! Putain, mais c'est un gros niveau, celui-là. Hein. Ils sont mis 3. Je sais qu'il y a la zone avec les Yeti, il y a la... Ah, la plateforme. Ouais, ça doit être ça. Deux zones dans la zone du Yeti et... Enfin deux œufs dans la zone du Yeti et un sur la plateforme là-bas. Essayer de choper. D'abord sur la... Non mais non. Bon, je vais aller tuer le bonhomme. Putain, c'est incontrôlable ce laser là. Pour ça je voulais pas le faire mais bon. Voilà. Ok, on me voyait. Je sais pas. En fait on rentre pas dans le bâtiment mais on reste à l'extérieur, on me voyait. Si vous avez vu en bas à droite quand j'étais dans laser, on voyait Spyro en dehors du bâtiment et je viens de me fail. Alors on va y arriver peut-être. Les jumps là c'est un peu chaud quand même. Hop. Ouais ça passe. Là normalement ça passe, voilà. C'est bien comme il faut. Attends, est-ce que je peux marcher là? Non, ah non! Au début je pouvais marcher mais après je pouvais pas. Ah mais ils sont chiés là quand même. C'est... Ah, j'ai appelé cet épisode rage. Hein. C'est pas possible. Ils ont tout fait pour me faire rager et j'ai pas fini le niveau quoi. Ça vient de faire un quart d'heure de vidéo et on a rien foutu, on a chopé 2 œufs. D'habitude on fait un niveau, tu sais, quasiment. Un quart d'heure, mais là. Ça fait 2 épisodes qu'on est sur ce niveau là. J'espère que les niveaux de ce monde sont pas tous aussi longs parce que. Sinon, on va bien galérer. Bon,
pour aller sauter là-bas. Hein. Voilà. Choper les joyaux. Il y en a 3. Ok. Oh, putain, je suis tombé. Non, il y a l'autre qui me jette des boules d'en bas, quoi. Là, je sais pas comment on fait. Passer d'ici à mon avis. Non, c'est trop loin. Ah, mystère, mystery. Faut que je puisse aller là-haut en fait. Esquive. Oh merde, il m'a tué. Super! Bon, moi j'espère que ça fond. Juste là. Sur le poulet qui respawn quand on est mort. Super pratique. Comment on fait pour aller là-haut? Ah, attendez. J'ai peut-être trouvé la solution. Il est par là. Passe par là. Hop. Voilà. Attendez, je sais pas si c'est ça. Non, ça c'est un laser. Ouais. Ah bah non. J'ai cru en fait qu'on pouvait escalader de ce côté et puis redescendre de l'autre, mais non en fait. J'essaie un truc. Ça m'intrigue ces sauts là, je sais pas comment on les fait. C'est une des premières fois que je vois pas comment on fait les sauts là. Je me souviens plus. Attendez. Non, je peux pas aller sur les créneaux. Ça aurait pu être ça. Hein. Mais non. C'est ballot. Hop. Ça passe ici, faut faire un vol papillon. Hop, voilà. Je peux pas aller là-haut. Je peux aller là-haut? Non. Je peux pas non plus. J'y réfléchis parce que ça c'est difficile là. Non mais non. C'est bon ça. C'est pas comme ça. Hein. Moi que ce soit tout simplement. Non, c'est trop. Ah, mais je. Fuck, j'ai tué le rhino. Je sais comment on fait, faut monter sur le rhino. Tout simplement. Et s'il me balance lui? Non, il balance au sol. Faut que je me suicide. Pour que le rhino respawn. Et qu'on monte sur le rhino. Ah putain, j'ai pas pensé, mais oui! J'ai pu repenser qu'on pouvait monter sur les blocs de glace, c'est la dernière fois non plus, j'ai pas. Ah, il a pas respawn! Oh le saligo! Pourquoi il respawn pas? Ah ouais? Vous êtes comme ça, vous respawnez pas vous. Il fallait faire comme ça en fait. On va ressortir ou rentrer dans le niveau. Je vois que ça hein, pour les faire respawn. Ou alors, on va là-dedans et on revient. Je sais pas si ça a marché. Non, je crois pas. Non, 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 ça va pas les faire revenir. On va sortir du niveau et on va revenir. Ah, merde. Ah, mais voilà. Bon, bah, je suis débloqué. Très joyeux. Super. Je suis débloqué. Il suffisait, en fait, de faire le bloc de glace, là. Donc, on va rentrer vite. Demi-tour. Niveau terminé. Non. C'est faux. Allez. C'est bien, allez, mais y'a pas de sauvegarde à faire. Je sauvegarde avec l'émulateur, hein. C'est plus simple. Ok. Là, normalement, ouais, les monstres ont respawn. Mais putain, pourquoi tu gèles pas, toi? Mais vas-y! Voilà, putain!
Oh, vous avez bien vu là, je vais tirer dessus à des moments, et je l'ai pas. Non, ça sert à rien. Oh, date raccourcie. Ah oui! Là, il y a fond des joyaux qui me manquaient. Boum! Ça va me débloquer un max de trucs. Putain, oui, oui. Il y a à fond, là, le joyau. Déjà ça. Hop. Voilà. Et là. Voilà! Tout ce que je pouvais pas atteindre, j'ai pu y atteindre. Ah non, il manque un truc, il manque la plateforme là. Il y a 2-3 joyaux aussi dessus. Donc on va refaire le truc. Et vas-y, les poulets ils respawnent maintenant, mais what? D'ailleurs ils respawnaient pas. Après je te tue toi. Hop, voilà. Saute bordel. Voilà. Oui, donc il faut que. Je sais pas comment je vais faire. Mais c'est tout simple. Il suffit de faire. Hop là. Putain, plus deux joyaux quoi, il y a dessus. Ça fait exprès pour faire chier. Et donc maintenant, il me reste plus que la zone du gars, je pense. Je pense que j'ai eu toutes les zones en hauteur. Bon, de toute façon, j'y reviendrai s'il m'en manque. Mais putain! Mais le mec quoi! Il esquive tout le temps mes flammes de glace. Ça m'énerve. Ça me. C'est épisode rage, de toute façon. Tout m'énerve, hein. Hop. 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 Voilà, ici. Casse-toi le bonhomme de neige. Voilà. Bon, on va prendre lui. Bourraman. Pourquoi il est là ? Je viens de recevoir des nouvelles de mon petit frère. Oh. Apparemment, il a des problèmes avec un Yeti. Pourquoi il est bien en boxe ? Il a pas sa massue cette fois ? Ah, mais c'est un truc comme ça ? Je lui ai demandé de me rendre ma balle, ou sinon, tu allais t'occuper de son cas. Mais il a rien voulu savoir. Bah alors je sais pas où elle reste, hein. Combat le Yeti. Alors, pour un coup sec, pour frapper. Pour le grand coup, le coup, pour pas en hauteur. Ça a l'air chaud, hein. Oh putain, mais c'est chaud. Allez, j'ai fait un combat. Mais allez. Il est censé barrer automatiquement les cons en bas et il les fait pas. Ah, je vais crever. Non, non, je suis pas arrivé. Ouais, je me souviens de cette partie, elle est assez chaude aussi, putain, c'est l'épisode rage. T'as perdu ? Mais comment vais-je récupérer ? Faut absolument que je le bloque moi. Allez, mais je l'ai foutu le coup avant. C'est pas juste. Allez. Allez, c'est carrément dur. Ah mais on peut. D'accord. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est beaucoup plus simple. Je pensais que c'était sur une trame en 2D, mais en fait pas du tout. Oh là 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 là. Bon, je perds quand même un tiers de la vie. T'as perdu. Je pensais que c'était sur une trame en 2D, en fait, qu'on pouvait juste avancer et reculer, mais pas du tout. C'est une trame en 3D. Allez, on peut faire ça, ça. Allez. Il arrive toujours à mettre le premier coup. Je comprends pas. Mais. Oh! Je tape, ça marche. C'est. En gros, s'il tape avant moi, moi je peux pas taper. C'est chaud.
Ça d'habitude ça marche. Hey, il paraît pas, ça lui a rien fait quoi. Ah là, ça lui refait rien des fois. Voilà. Oh mais. Je vais galérer. Ah, je vais galérer. Voilà, ça lui passe à travers la tête. C'est vraiment pas juste, voilà. C'est carrément dur. Ça lui passe à travers la tête et tout. Oui, j'ai perdu. Je pense qu'il a un bug ce truc là. C'est pas possible. Voilà, voilà. Mais voilà! Là, ça fait 3 coups que je lui ai mis qui ça a pas marché. Je vais enchaîner coup haut, coup bas, coup haut, coup bas. Gros coup. Boum. Coup haut, coup bas. Coup haut. Gros coup. Mince. Coup bas. Ah non, c'est bon, ça a marché. Oh oui! Ma technique marche! Non, je vais me faire tuer avant, de toute façon. On va voir. Putain. Fumier! Voilà. Vas-y! Gros coup! Oui! Oui! Salto. C'était galère, hein. J'aurais peut-être fait une ellipse. Ouais. Je vous avais dit qu'il fallait recommencer. Enfin, je sais pas si vous l'arrivez avec l'ellipse, mais je vous avais dit il fallait recommencer. Oh non! En 3 rounds, si tu y en. Oh, j'aurais dû m'en douter, la fête faisait tout le temps en round 1. Bon, Kuba, allez, Kuba! Mais ça s'est marché! Kuba, Kuo, Kuba, Kuo, et oh! Fumier! Mais il est carrément plus fort en plus. Ah ouais, on a plus de vie cette fois. D'accord, c'est ça qui change. Putain! Mais barre-toi! Mais putain! Mais oh! J'arrête pas de taper, il me tape avant. Non mais, il prend carrément pas cher. Ma technique marche plus là. Allez! Oh! Je spam le bouton! Oui, j'en rage. C'est impossible. Encore deux rounds. Quelle performance! En plus, ça régène la vie, putain. Faut le niquer du premier round, sinon c'est impossible. Non, mais vas-y! Non mais voilà, c'est moi, ça marche pas. J'ai beau spammer le bouton, ça fait rien. Il m'attaque tout le temps avant. Lui quand il fait coup bas et je fais coup, enfin coup rapide là, c'est quand même lui qui m'attaque avant. Mais moi quand je fais coup bas et qui lui il fait coup rapide, c'est lui qui m'attaque avant. Putain mais ta gueule. Putain c'est trop de la merde ce jeu. Ce mini-jeu. Hein. Oh franchement, autant le hockey c'est vraiment la rage. Mais c'est parce que c'est difficile. Mais là c'est parce que c'est mal fait. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est mal fait. C'est putain de mal calculé. Oh. Tu peux pas cliquer sur les 4 boutons comme ça, hein, comme un marteau. C'est impossible ce passage. Lui il a toujours l'avantage. Regardez-moi ça. Je lui ai mis le coup bas, il a rien eu. Non mais vas-y. Mais bien sûr. Bon bah ça sera un des premiers rage kits sur ce jeu. Et ça sera peut-être pas le dernier. Voilà, je vous le dis parce que là j'en ai complètement marre.
tiens, un petit F6, voilà, sauvegarde. Donc, on se retrouve dimanche, on finira peut-être ce niveau, peut-être pas, j'en ai rien à foutre. Parce que là, ça m'a complètement saoulé, le truc de la box. Je vous mettrai sûrement des passages, j'aurais fait sûrement des ellipses. Et ben, c'est mal fait. Voilà, c'est mal fait, c'est de la merde. Oui, j'ai beaucoup ragé. Oui, j'ai beaucoup gueulé. Oui, mais vous verrez, c'est mal fait. J'appuie sur le bouton avant qu'il lance le coup. Du coup, c'est moi qui devrais lancer le coup direct. Il y a un temps de latence tellement pourri. Du coup, le gars, il attend de me faire une attaque et de me bloquer la mienne que j'ai fait avant lui. Donc, c'est de la merde. Voilà, franchement, c'est mal fait. C'est très mal fait. Surtout que on peut pas parer et puis juste après balancer une attaque. C'est impossible. Hein. Faudrait utiliser ses deux mains et comment je fais pour me déplacer? Je peux pas. Donc voilà. Hein, c'est vraiment impossible. Donc, on se retrouve dimanche pour un Spyro où j'espère que je ragerai moins. Hein, parce que j'aime pas beaucoup rager sur les jeux. Mais là, ça m'a vraiment saoulé. Je pense que ce passage, ouais, j'avais déjà dû rager dessus. Donc voilà, c'est le premier achievement, mais ça sera peut-être pas le dernier. Allez, à la prochaine.